Pourquoi il marche comme ça? Café! Café! Ah, très bien. Candidat pour le noyau. Doit posséder un ego fort et sans entrave afin de conserver sa personnalité tout en supportant les esprits interconnectés d'autres personnes. Étant donné ces paramètres, il n'existe que deux types de candidats. Les égotistes aux tendances psychopathes et les enfants. Non, ce qui s'est passé la dernière fois qu'un égotiste psychopathe s'est retrouvé dans le STEM. Un enfant est donc notre meilleure chance. Puisque nous avons accès aux résultats scolaires des divers établissements, nous avons pu réduire nos options potentielles. C'est des connards quand même. Ces examens montrent qu'elle est non seulement candide, mais qu'elle fait surtout preuve d'une empathie surprenante pour son âge. Nous allons envoyer Dr. Hoffman pour d'autres tests. Donc, les égotistes aux tendances psychopathes ou les enfants, d'accord? Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Là, c'est la sortie. Ah, miroir là-bas. On va regarder la diapo. Pick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective, too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. Ok. Merci. Le chat. Oh, on a 10 000. Ouh, cool. Take a look at some of the information I was able to dig up on your guy. Stefano Valentini, artist. Yeah, that's him, all right. He's quite a flamboyant character. Seems he never reached the level of success that he wanted. Sounds familiar. I know of another flamboyant artist who failed. Then he started World War II. Let's hope that that bad. Even if he's not, he still needs to be stopped. Il parlait d'Hitler. C'était ma dernière photo en tant que photographe de guerre. Réduire l'image de la femme à un assemblage de parties sexualisées aurait pu fonctionner s'il avait un véritable dessin. C'est sûrement le boss qu'on a tué en fait. Par exemple, dénoncer la femme objet dans notre société, mais Valentini semble avoir versé dans le grotesque, dans le seul but de nous titiller les sens. C'est sûr que c'était assez grotesque, ce boss. Union a besoin de personnalités artistiques afin de simuler un scénario de monde réel. Bien que le candidat ait montré des tendances égocentriques, elles peuvent être liées à ses penchants artistiques plutôt qu'à des problèmes psychologiques. D'après nos informations, aucun membre de sa famille ne s'inquiétera de sa disparition. Le bureau de recrutement recommande l'insertion du candidat dans le STEM. Mais c'est là qu'on arrive au moment où c'est que ça n'a pas trop de sens. Parce que tous les gens, ils se sont connectés en fait dans le STEM, sont dans des baignoires.
rempli de lait. Et si on crève dans le système, on crève en vrai et vice-versa, du coup. Donc, pourquoi pas. Donc, enfin, voilà, si il a été apparemment admis par tous les professeurs, tout ça, ils ont kidnappé le mec et tout ça, ils l'ont foutu dans le système, pourquoi pas le retirer directement? Je sais pas, tu le noies dans sa baignoire et hop, il crève, et puis voilà, on n'en parle plus. À moins que ma logique ait un défaut, mais normalement, ça passe, hein. On n'a pas de balle de flingue. D'abord, on va aller faire le gel. Ça m'étonnerait que le boss du premier revienne quand même. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça serait sympa. Ça serait sympa de le revoir, je sais plus son nom. Mais ça m'étonnerait. Pendant un temps donné, dégâts. Ah oui, augmente, c'est vrai. Appuyez sur Y en visant pour vous concentrer et ralentir le temps. 75 000. Ok, d'accord. Ça sera peut-être pas aujourd'hui, quoi. Putain, 12 000, la vache. On va faire ça, parce qu'on a vu qu'on a besoin d'un tout petit peu plus de soins, peut-être. Faudrait débloquer ça, deuxième chance. Ça utilise automatiquement en fait les trucs de soins, comme ça on n'en a pas besoin. Enfin, comme ça, j'ai pas besoin de les mettre en raccourci et de les utiliser, ça serait vachement bien. Mille, ouais, c'est pas beaucoup, on fera ça la prochaine fois. Des baignoires remplies de lait, ça manque de céréales. Sa fille qui n'aurait pas supporté la mort de ses parents. Et qui serait devenu instable. Aussi, peut-être. Ben, je sais pas, il y a un truc qui cloche en fait dans leur bordel. Il y a un truc qui cloche sévère en fait dans leur bordel. On fait encore des balles. On va peut-être faire encore quelques balles de flingue. Moi je pense qu'ils ont. Le truc c'est qu'ils ont sûrement balancé le stem. En fait, en version Wi-Fi, en version sans fil, sur le monde peut-être. Et le mec, il est rentré par. Ah bah non, 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 ça a pas de sens. Même s'ils avaient fait ça, ça a pas de sens parce qu'on a les dossiers sur le mec, ils l'ont trouvé là-bas. Donc il a été admis par l'institut, quoi. Non, c'est eux qui ont fait de la merde. Ils ont foutu le malade à l'intérieur, mais bon. S'il est à l'intérieur, il suffit de le sortir, non? C'est étrange. D'accord, on a une porte ici. Mais est-ce que c'est la sortie-sortie ou pas?
pas une deuxième fois le jumpscare là. Oh putain. C'est maintenant qu'on trouve des munitions de fusil à pompe quoi. Protocole d'urgence en cas de déplacement du noyau. Il est impératif qu'un noyau manquant soit remplacé aussi vite que possible. L'absence d'un noyau, même sur quelques heures, peut affecter la programmation du STEM. Si le noyau est absent plus de 36 heures, un protocole d'urgence doit être mis en place pour empêcher sa disparition. Le protocole d'urgence n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobius dotés d'un pass de sécurité alpha et ne peut être consulté que par les serveurs de Mobius. Enfin, je vois pas trop... Ça va, notre endurance remonte assez vite maintenant. Elle a rien à nous dire, elle. Elle lève ton cul. By the way. Non. Ok. Traverser à la moelle. Hop là. Ah, café, cool. Il faut plus de poudre. Poudre à canon, évidemment. Évidemment. Ok. Steven a la clé. Et on va trouver un lance-roquette dans la planque. Enfin, j'espère. All right. The theater. I'm coming for you. Okay, c'est parti, on va se balader. Bon, là, on est de retour dans ce... dans un endroit ouvert où c'est qu'on va trouver... Oups. Je tape le micro. Deux secondes. Voilà. On va sûrement trouver des... quête secondaire, etc. Donc on va passer sûrement un moment ici. Elle est de dos ou pas là? Moi je crois. Maintenant cours. Putain, caméra.
Oh la pute. Coup. Ah ouais, il y a plus le stamina. Ouais. Attends. On va pouvoir se débrouiller. Je suis sûr qu'on va pouvoir se débrouiller sans tirer. Voilà. C'est bien qu'il y ait des buissons de tous les côtés dans ce... dans ce monde. Ah tiens, on va pouvoir. Distributeur. Hop là. Sont tous partis. Oh merde. Hop là. On va essayer de faire le tour. Oh, y a plein de zombies, il fait chier. Je crois que j'ai merdé. Shit. J'ai merdé. Ah, loupé. À la planque. On recommence. Retraite stratégique, c'est ça. Ramène-toi. Vas-y, ramène-toi, viens là. Que c'est relou. Je sens que toi tu vas te prendre une balle de sniper parce que tu m'as gavé.
Voilà. Tu m'as saoulé. Ah, il y a un corbeau. Celui-là de droite, il fait chier. Pourquoi tu t'arrêtes? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas le prompteur pour me dire de sprinter sur la cible maintenant. Alors je sais pas si j'étais mal placé ou pas, mais... J'ai l'impression que je peux plus sprinter l'attaque chasseur ou je sais plus quoi, ou prédateur je crois. Ça va plus le faire. Là je devrais pouvoir le faire mais... Bizarre. C'est un peu étrange. Je devrais avoir la petite flèche qui est en rouge. Ouais, c'est vrai qu'un fusil à pompe ça ouvre pas les portes. Non. Fusil à pompe ça marche que pour les monstres, les portes non. Les portes en bois surtout ça marche pas. Ah, ah, ah. Loupé. Approche-toi encore un petit peu, tout petit peu. Un tout petit peu. On va te faire mettre. Là, je devrais pouvoir sprint. Ah, voilà. Là, j'ai, là, je pouvais. C'est bizarre. Oh merde. Voir un peu la map. Là on est dans une partie que j'aime bien. Là, là c'est cool. Là. On explore et tout, on regarde ce qu'il y a dans la ville. Ça c'est cool. Ah. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'est pour faire le klaxon. Ouais, c'est pour faire le klaxon.
Il a sûrement tué des civils, lui, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas elle, tu te fous de ma gueule. Non, elle est morte, elle. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Sympa. Faut la combattre encore une fois, tu te fous de moi. Pourquoi pas? Enfin, ça me dérange pas, je voudrais bien la piéger par contre. Genre un truc qui prend feu ou je sais pas quoi. Bon, on va le faire à l'ancienne. Où est-ce que tu vas? Ça y est, tu m'as vu ou pas? Ah merde, faut recharger. Fais chier. Cours! Sprint! Merci. Est-ce que tu peux monter les échelles? Oh, dépêche! Normalement, elle va sauter, mais... Aouh! Ok. Ok. Aha. Vas-y, tape par terre. Putain, j'ai plus de stamina déjà. T'es résistante, salope. Ça va? Ça va. C'est bon. Allez, dis-moi un 10 000 au moins. 3 500, c'est de la merde, putain. Ça vaut pas du tout le coup, en fait. Bien dégoûté. Elle se marre bien, elle, ouais. Ah, oh, pochette de... Ah non, fusil de précision. Je crois que c'était fusil à pompe. Ok. Je me demande si on n'a pas... Ok, on s'approche pas.
Je me demande si on n'a pas perdu l'occasion de tuer le fantôme de la première zone. Il y avait peut-être un moyen de le tuer en fait. Oh merde. J'ai une hache, je m'en fous. Salut, ça va? Voilà. Ah non, 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 reviens, reviens, reviens. Je sais pas si on peut les attaquer dans le dos. Ouais, mais sans cartouche de fusil à pompe, par contre, on va en chier. Si jamais je dois le combattre. Évidemment. Vache. Monte. Échappe-toi. Ouais, sans fusil à pompe, laisse tomber, je me casse. Où est-il? Ah merde! Non, ça c'est le mur, putain de merde. Non, c'est pas bon, putain. Oh, la vache! Ça va, là? Putain de merde. On va attendre que ça remonte. Putain, une balle de sniper. 3 balles de flingue, 2 carreaux, beaucoup quand même, non? Par contre, il ne reste plus rien là, fait chier. L'arbalète est censée être. Est censé faire plus de dégâts que ça quand même. Enfin, elle est censée faire mal. Même si c'est des carreaux harpons, ils sont censés faire assez mal quand même. Après, on va retourner à la planque, boire du café et boire du café et créer des balles. Par contre, j'ai peur que. Oh putain, on en a que 27. Oh ouais. Ça valait pas vraiment le coup de tuer le monstre et tout ça.
Ça valait pas vraiment le coup de combattre le boss et les merdes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça. Ah, pas le fantôme. Fantôme! Allez, de retour. Fais chier. J'ai parlé du fantôme, bah voilà, elle est là. On est de retour dans l'hôpital, je crois. Regarde-toi comme t'es belle. T'as pas de réflexion en fait. Ah, elle est dans le miroir, cool. En plus, elle connaît son nom, ça qui est bizarre. Ah! That's me from back then. Ouais. Bon, ça là, c'était. C'était prévisible. On va aller là-bas. Oh. Something weird about this room. Oh, sans deck. Something I'm not seeing. Alors, peut-être dans le miroir, est-ce qu'on peut voir? Ah bah voilà! C'est quelle... Merde, c'est quelle porte ça par contre? C'est celle-là juste là apparemment, ok. Ok, on est bon. On est bon! J'aime bien la bouteille qui a roulé avec nous. Ok, miroir. Oh merde. Oh shit. Non, 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 pas de ce côté. On a une porte lumineuse. Il y a rien. Ah si, là. Ah oui, en fait, elles sont toutes illuminées. C'est laquelle, celle-là? Putain, c'est laquelle, celle-là? C'est celle-là, juste là? Ouais. Allez, go, 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 go! Ah, c'est un bon jeu. Ah, on a vu le monstre du...
dans le garage, dans le. C'était le garage souterrain, je crois, du premier jeu. Ok, diapo. Putain, je me fais attaquer par des moustiques, merde. Oh, je me fais attaquer par des moustiques. Allez, on peut se casser maintenant. Ah, je défonce les portes, moi. Je défonce les putains de portes. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Eh, monsieur! Monsieur! Pourquoi ils sprintent comme ça partout? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent? Ils sont vraiment en train de danser en fait autour du feu. Sympa. Alors normalement si on vise bien on peut les brûler. Merde. Bon, pas grave. Voilà. J'ai utilisé toutes mes bouteilles, putain, fais chier. Le classique rituel des zombies à la veille d'Halloween. C'est ça. C'est exactement ça. On peut pas prendre ça? Non. Putain de tentacule. Quelqu'un là-bas. On peut pas. Non. Oh, il y a plein d'objets. On a vraiment très peu de poudre. Hein. Ça me fait vraiment chier. On va vraiment privilégier la furtivité et les kills furtifs parce que là, on n'a rien quoi. On n'a rien de chez rien. Balle de pistolet, cool. Oh! Je l'ai complètement loupé lui. Comment j'ai fait pour le louper? Ouais, il est là, d'accord. Ouh, il y a plein de réserves à droite. Enfin, pas grand chose en fait. Ok, maintenant, on a une planque ici, on va essayer d'aller vers la planque en premier. Il y a des objets. Ah. Dépêche, dépêche, y'a un mec devant, y'a des mecs devant. Oula, 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 calme-toi, calme-toi. Attends, de quel côté on va rentrer par là? Ah merde, y'a des mecs. Fais chier. Damn, he
he's gonna get mobbed. J'arrive. Super. Comment je fais pour rentrer, bordel? Est-ce que je peux... Sérieux, tu veux pas monter sur le camion? Ben, ça va, ils sont tous après moi maintenant, c'est bon? Ok. Oh merde, c'est un black. C'est un film d'horreur là. Ouais mais mec, tu vas pas survivre. On va tester un truc. Ah quoi que non. Ah non, va pas tester, on va tester ça. Eh hey, les mecs. Putain mais tu te fous de ma gueule. Là, loupé. Quelle merde. Je fais de la merde. Je fais complètement de la merde. Ok, on est mort. Ça devait pas se jouer comme ça en fait. Ça se devait jouer, on tue 3 zombies avec l'explosion. Puis après, je balance un carreau de fumée, comme ça je peux les poignarder en fait. Mais apparemment, ça s'est pas trop joué comme ça. Damn, he's gonna get mobbed. Maybe I can get the jump on them. Allez! Ah oui, je peux pas passer. Non, je peux pas. Hey mec! Hey oh! Trop putain! Il y a un bidon. Non merde. Je peux pas tirer directement sur le bidon. Ah la vache. C'est bon? De balles, putain. Non, pas ça. Ça. Non, c'est bon, elle est morte. Ah, la vache. Pourquoi tu tires à une main? T'es con, quoi. T'as cru que t'étais un as de la gâchette, toi. Ah ah. Tire, connard, hein. C'est toi qui as les munitions infinies, pas moi, hein. Tu veux pas? Non, tu veux pas. D'accord, ok, tu veux pas. Oh la pute. Une bouteille! Ou pas? Oh la vache. Non, me tue pas!
J'avais plus de bouteille. Ah, c'est chiant, hein, sans munitions quand même, hein. C'est légèrement relou, hein. Maybe I can get the jump on them. Hey man, you're gonna help me, well? Hey, hey, you over there! You gotta help me! Come on, man! You're gonna help me, yeah? Waouh, pas mal ça. Le mec m'a mis une baffe. Oh la vache. Tu peux pas faire un combo avec ton putain de couteau, non? Non. Ah. Eh merde. Je suis mort. Voilà, c'est bon, je suis mort. Je voulais revenir en fait pour lui mettre un coup de pied là, à la meuf, mais apparemment. Can I help me, man? Damn, come on, man. Mobbed. Can I help me, hein? On y va. Maybe I can get the jump. Cette fois, on va faire que explosif. Hey, hey, you over there! You gotta help me! Come on, man! I know you can hear me. Help me out! Oh, bien joué ça, c'est bien joué ça. C'est bon? Waouh, wow, putain, le mec! Fallait me tuer ce con. Sans deck, sans deck. Merde. Putain, l'autre. Oh. C'était quoi ça? Bah, il est mort. Merde, la putain.